Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'il faut faire quand le PC redémarre, même quand on met arrêté. Donc je vous montre, en gros, ici, je fais arrêter. Et là, vous allez voir que le bouton s'éteint pas. Et la machine redémarre. C'est une vieille machine sous Windows XP qu'on a passé à Windows 10. Et donc elle nous fait ça depuis son passage à Windows 10. Alors vous allez voir que la solution est relativement simple. Donc voilà, il a redémarré. Alors là, la solution est relativement simple. J'avais déjà parlé de cette option dans une autre vidéo pour augmenter la vitesse de démarrage sur les vieilles machines. On va ouvrir une vide de commande en appuyant sur la touche Windows et R. On saisit la commande CTRL à l'intérieur. Nous voilà sur le panneau de configuration. À l'intérieur, on va aller dans options d'alimentation, choisir l'action des boutons d'alimentation, et ici on va modifier les paramètres et on va désactiver le démarrage rapide. Et là, vous allez voir, votre PC il s'éteint comme avant. On sauve, on fait arrêter. Notre PC s'éteint, il ne redémarre plus. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt.